Tous les amis, c'est Davy, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, toi derrière ton écran, n'hésite pas à liker, partager cette vidéo à tes amis. Et surtout, abonne-toi si ce n'est toujours pas fait. Et moi je te laisse avec la suite de la vidéo. Du coup les amis, aujourd'hui nous allons parler de la hackeuse Jenna. Donc c'est parti. Donc il faut se dire que les amis, cette hackeuse a été découverte en 2017. Si je me trompe pas, en 2017 a été découverte cette hackeuse. Et apparemment elle fait surface tous les mois de février, tous les ans en gros. C'est à dire là on est en février 2022, elle fait surface en février 2022. Elle va faire une chose en 2023, 2024, 2025. Elle va faire ça apparemment tout le temps, si j'ai bien compris. Et en fait, on va tout de suite la chercher sur Roblox. Je vais tout vous expliquer les amis sur cette hackeuse. Alors j'ai fait la recherche de la hackeuse et quand on va sur son profil, j'ai remarqué que la théorie de la hackeuse, elle a bien marché. Tellement que les gens parlent de cette hackeuse, et bah tout le monde s'abonne à son profil. De base, je vous jure les amis, de base, elle avait 34 000 abonnés sur son profil Roblox. Et à un moment donné, elle était passée à 100 000 abonnés. Et là, elle est à 209 000 abonnés, les amis. C'est juste énorme. Et comme vous pouvez le voir sur à propos, on ne comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout à ce qu'elle a marqué. Genre, c'est trop bizarre, les amis. Et on peut voir qu'elle a 7 amis et une personne qu'elle suit principalement. Voilà. Sauf que tout le monde dit que cette personne, cette hackeuse, elle s'est fait connaître en 2017 alors que son compte a été créé en 2018. Donc comment vous pouvez me prouver que ça a commencé à faire parler d'elle en 2017 alors qu'elle a créé son compte en 2018? C'est un peu bizarre, vous trouvez pas? Donc voilà. Et elle a qui en ami? Voilà, elle a des personnes. Et cette personne là que vous voyez en tout premier là, et bah je vais parler d'elle dans quelques instants les amis. Donc les amis, cette hackeuse, c'est un fake, un gros fake les amis, ce n'est pas une vraie hackeuse. Donc faites attention les amis, ce n'est pas une hackeuse. Faites attention aux personnes qui disent ouais c'est une hackeuse. Donc faites attention à ça parce que c'est pas du tout vrai. Apparemment elle hack seulement les comptes de filles. C'est à dire quand vous avez un skin de fille, et bah elle va vous hacker. Mais moi je suis sûr qu'elle ne va jamais faire ça avec tous les comptes de filles qui existent dans le monde entier les amis. C'est impossible. Et de toute façon, bah elle va jamais faire ça de toute façon. Pour éviter de se faire pirater les amis, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut mettre la double authentification à deux étapes et le code à 4 chiffres si vous souhaitez. Le code à 4 chiffres en fait, il va vous aider à sécuriser encore plus vos paramètres. C'est à dire que la personne qui voudra vous hacker, elle ne pourra pas changer le mot de passe, elle ne pourra pas changer d'adresse email, numéro de téléphone, etc, etc. Elle ne pourra rien faire les amis si elle ne, si elle n'a pas accès à tout ça. Bah c'est foutu quoi. Et donc c'est un gros fake les amis. Je vais vous expliquer comment ça se fait que ce profil a été créé. Comment ça se fait? Et bah c'est très simple les amis. Vous allez dans ses amis. Vous allez dans ses amis. Vous allez sur 0fix. Si je me trompe pas. Si ça se lit bien comme ça. Et vous voyez que cette personne, d'ailleurs je vais m'abonner parce que j'adore sa chaîne. Oui parce que cette personne a une chaîne YouTube. Donc je m'abonne tout ça. Je lui demande un ami mais c'est pas sûr qu'il me réponde. Donc vous allez sur sa chaîne YouTube.
Et comme vous pouvez le voir, les amis, c'est une personne qui a une chaîne, voilà. Et dans ces vidéos, les amis, on peut voir que c'est Jenna, qui est sur ses certaines miniatures, comme The Other Blue Cavern RP Experience. On peut voir, oui, j'ai un accent anglais vraiment pourri, on peut voir que Jenna est derrière le personnage. Et sur la deuxième, pareil, voilà, c'est des petites histoires, en fait. C'est le personnage de quelqu'un qui a créé Jenna, en fait, et qui fait des films avec ce personnage. D'ailleurs, j'en ai regardé un, et franchement, il faut vraiment se mettre dedans, ça fait un peu flipper. Franchement, j'adore, c'est pour ça que je m'abonne. Et donc, les amis, ce personnage, c'est juste un gros fake, les amis. C'est juste le personnage d'un youtubeur qu'il a créé pour faire ses vidéos horreur avec elle. Donc, les amis, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Apparemment, il faut se mettre en garçon et non en fille le temps que Jenna arrête de faire ses bêtises. Mais ça, c'est faux, les amis. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris que c'était un gros fake et que ce n'était pas vrai. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et nous on se dit à une prochaine vidéo. C'était Davy, ciao, bye les potes.